Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. La nouvelle saison de Koh-Lanta, intitulée « La tribu maudite », promet déjà de faire des étincelles. Dès ce mardi 20 août 2024, les fans du célèbre jeu d'aventure ont pu découvrir les premiers candidats, et parmi eux, un jeune homme ne passe pas inaperçu, Gustin Comanescu. Cet influenceur de survie et ancien maître nageur, âgé de 26 ans, a rapidement capté l'attention des téléspectateurs, non seulement par ses compétences impressionnantes mais surtout par son accent vaudois qui fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Certaines personnalités marquent immédiatement leur territoire dès les premières minutes d'une émission, et Gustin est définitivement de ceux-là. Bien avant son apparition à la télévision, ce vaudois avait déjà construit une solide réputation dans le domaine de la survie. Avec plus de 111 000 abonnés sur Instagram, son compte Swiss Wilton est une référence pour les amateurs de nature et de techniques de survie. Pourtant, ce n'est pas seulement son savoir-faire qui fait parler de lui, c'est aussi son accent vaudois distinctif qui séduit et amuse les téléspectateurs. Dès l'ouverture de la saison, les réactions sur les réseaux sociaux n'ont pas tardé. Les internautes sont déjà conquis par son phrasé unique et son attitude décontractée. Je m'excuse d'avance Gustin, mais ta manière de t'exprimer est déjà mon divertissement de cette saison, plaisante un téléspectateur sur Twitter. D'autres commentent avec humour, je vous présente Gustin, maître nageur, militaire tireur d'élite, avec un accent, laisse tomber. Cette singularité fait de lui un personnage aussi attachant qu'amusant, gagnant instantanément une base de fans qui espèrent le voir durer dans le jeu. Mais derrière ce côté sympathique et cet accent vaudois qui fait sourire, se cache un candidat redoutable. Gustin ne se contente pas d'être un personnage charismatique, il est aussi un véritable expert en survie. Cet ancien maître nageur et tireur d'élite à l'armée suisse a rigoureusement préparé son corps et son esprit pour affronter les épreuves de Koh-Lanta. Koh-Lanta, ça ne me fait pas peur du tout, a-t-il déclaré, sûr de lui. Cette confiance n'est pas sans raison, habitué à repousser ses limites, Gustin a toutes les qualités pour exceller dans ce jeu où la survie est le maître mot. Son approche méthodique et son expérience en situations extrêmes pourraient bien faire de lui un sérieux prétendant à la victoire finale. Dès la première épreuve, il s'est imposé en étant le premier candidat choisi pour intégrer l'équipe rouge aux côtés d'Hugo, un autre concurrent redoutable. Les fans de l'émission, déjà sous le charme de son accent, espèrent le voir rester dans la compétition le plus longtemps possible. Vous me gardez Gustin au moins jusqu'à la réunification, je suis déjà beaucoup trop fan du gars et de son accent, s'enthousiasme un internaute. Qu'il s'agisse de ses talents de survie ou de son inimitable accent vaudois, Gustin semble être parti pour devenir l'un des candidats emblématiques de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Alors que les semaines à venir s'annoncent intenses, une question reste en suspens, Gustin saura-t-il maintenir son avance et continuer à séduire les téléspectateurs tout en surmontant les épreuves les plus difficiles? Une chose est certaine, il n'a pas fini de faire parler de lui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au sein même de la compétition.